同学们，刚才我们学习了 dext 以及四个语法知识，掌握了常见的食物单词，了解了法国的饮食文化。但是，如果我们去到一个餐厅的话，应该怎样向服务员表达自己的需求呢？只要掌握一些基本的句型结构，就可以熟练点菜了。所以，今天我们设计了一个去餐厅吃饭的场景，一起来看一看吧。Bonjour madame, bonjour monsieur. Au déjeuner? Oui, nous avons ça. Alors, voici la carte de notre restaurant. Je vais essayer de chier. Merci. La France, c'est le pays de la cuisine. Mais la cuisine est différente d'une région à une autre. Oui, c'est ça. Dans le nord-ouest, on aime beaucoup manger de la crème et du beurre.Mais vous, dans le sud-est, vous utilisez souvent l'huile d'olive pour cuisiner. Regarde, ils ont la bouillade de Sicile. C'est la spécialité de Marseille. Les habitants des régions proches de la mer mangent beaucoup de poissons. Mais ceux qui habitent plus loin de la mer préfèrent la viande. Et il y a aussi une spécialité de Strasbourg dans son restaurant.On fait souvent de la choucroute avec du porc et des saucisses. Et on prend des fruits en dessert? Qu'est-ce que tu veux? Je viens de la Normandie et c'est le pays des pommes, donc je veux de la pomme. Au sud, c'est le pays de la pêche et de l'abricot. Je veux de la pêche. Avec un peu de vin? Bien sûr. Alors, vous savez, est-ce que vous avez bien choisi? Qu'est-ce que vous voulez? Je connais la viande.Du bœuf, du porc ou du mouton? Alors, je ne veux pas de porc et je ne veux pas de mouton. Du bœuf alors. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous prenez? Moi, de la viande, du poisson, je ne sais pas. Alors, eh bien, prenez les deux. D'accord. D'abord, du steak, ensuite du poisson. Voilà, monsieur, dame, vous avez faim, vous allez bien manger.Et ça fait combien? 135 euros. 同学们，通过这一段在餐厅的对话，我们来一起学习学习法语饮食文化的常见表达法。首先 ，Julien 和 Sihin 呢来到了餐厅后坐下，我与他们打招呼问候一下，接着我紧跟着问了一句 "Vous déjeunez?" 这句话看似有一些多余，但还是十分必要的。因为在白天的时候，当人们走进一间 bistro， 也就是咖啡馆、小酒馆的意思，有可能是为了吃饭，也有可能只是点一点饮料喝。因此，在中午的时候，法国的小餐馆，它有的桌子会摆上刀叉，有的位子则留给喝一杯的人。对话当中 ，Sihin 回应我说：“我们饿了是来吃午餐的，对吧？”这句话当中。Avoir 和 faim 的表达在本课的开头已经讲过了，表示饿了。J'ai faim 表示我饿了。此外，我们还可以说 avoir soif 渴了 ，avoir chaud 热 ，avoir froid 感觉到冷。在确定两位客人是来吃午餐之后，我递给他们一张菜单，说道 ：“Voici la carte de notre restaurant。”这个句子当中 ，carte。它的意思为卡片，但在这此情景当中，很明显它是餐牌的意思。最后 ，Julien 和 Sihin 呢开始讨论法国的菜肴，并且开始点菜了。Julien 讲到 ：“La France est le pays de la cuisine, mais la cuisine est différente d'une région à une autre。”法国是美食之国，但是不同地区有不同的菜肴。这句话当中 ，le pays de la cuisine 呢，它的意思是美食之国。同样，后面还出现了 le pays de pomme、le pays de la pêche 这两个表达法的意思，就分别为苹果之乡、桃子之乡。举一反三，比如我们现在所在的城市成都是熊猫之乡，就可以表达为成都 est le pays du panda。接着 ，Sihin 呢赞同 Julien 的看法，说道。Oui, c'est ça.
Dans le nord-ouest, on adore le beurre et la crème. Mais dans le sud-est, on préfère l'huile d'olive pour cuisiner. 这句话当中，请大家注意，表示喜好的单词，例如 adore、préfère， 后面跟的都是定冠词。我们来看一下以下的例子 ：adore le beurre, préfère l'huile d'olive， 喜欢黄油，喜欢橄榄油。相反，如果想要表达我吃了一些什么，也就是表达我吃了某一个东西的其中一部分的量的时候，则应该使用我们今日所学的部分冠词。比如我们想说，我想吃一些苹果 ，je veux prendre des pommes， 或者是我想要喝些咖啡 ，je veux prendre du café。接着 ，Céline 与 Julien 的交流当中，我们可以一窥法国各个不同地区的佳肴，列举如下。La spécialité de Marseille, c'est la bouillabaisse. La spécialité de Strasbourg, c'est la choucroute avec du porc et des saucisses. La Normandie, c'est le pays des pommes. Et au sud, c'est le pays de la pêche et de l'abricot. 在 Céline 和 Julien 讨论完之后，作为服务生，我就去咨询他们如何点菜了。Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?你们想要吃点什么？这时候 ，Céline 的表达他不想要什么的时候，他说道 ：“Je ne veux pas de beurre, je ne veux pas de mouton。”这句话正是契合了今天我们所学的，在绝对否定句当中，直接宾语前的部分冠词，如 du beurre, du mouton， 要变成 de beurre, de mouton。当用餐完毕之后 ，Céline 询问了价格，我的回答大家听懂了吗？其实从第一课开始，我们已经陆续学习了一些数字的表达，例如在第六课的时候，我们已经学习到了千万级如何表达一千万，也就是十个一百万，表达为 10 million， 以此类推，一亿，也就是一百个一百万，表达为 some million。 其实在法语当中，数字三个为一组，从右边开始往左边数，第一组三个数字之后为一千 million， 第二组三个数字之后为百万 million， 而第三组三个数字以后则为十亿级 milliard。 大家请看板书，其中 milliard 为阳性名词，用法和 million 相同，复数的时候需要加 s，并且如果后面直接加名词，则需要用介词的引导名词补语。例如三十亿本书应该会写成 trois milliards de livres， 这一个表达当中 milliard 要加上 s， 并且后面加的引出名词补语 livre。 好了，以上就是学习此段对话在交际层面需要注意的知识点。现在我们好好利用这段对话，再请温老师在文化扩展单元详细讲解一下法国的地方美食。